Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. It is News Hour on your TV Spectrum Television. Top on our news stories tonight, May 7, 2024. The Prime Minister, Head of Government, Chief Joseph Dion Gute, has chaired in Yaoundé today the National Council for Decentralization session with the evaluation Principal of the progress made on the ground of the recommendation made at the last session. Top of the session's agenda. Also, a multi-stakeholder platform for feed and fodder is being implemented in Cameroon with a training session aimed at combating the shortage of feed and fodder led by the Ministry of Fisheries and Animal Industries in collaboration with the African Union's Inter-African Bureau for Animal Resources. We shall also be having as guest in this newscast Cyril Tolo Batum from the Ministry of Sports and Physical Education. The stories in full and much more will be yours right ahead. Thanks for joining in, ladies and gentlemen. Once again, you're welcome to this edition of the Bilingual Newscast on your TV Spectrum Television. And we'll dive into the full stories on this edition and we'll kickstart right away. And it is in the French language and it's with Oriane Donquin. Bonsoir, Oriane. Bonsoir, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Joseph Dion Gute, le Premier ministre, a présidé ce jour à l'immeuble Étoile, une session du Conseil national de la décentralisation. Au menu des échanges, l'évaluation des avancées opérées sur le terrain après les recommandations formulées lors de la dernière session. Compte rendu, Olivier Bouzic. Principale résolution à retenir de ce Conseil de la décentralisation présidé par le Premier ministre, l'indice de développement local a été adopté sous réserve de quelques corrections à faire au regard des observations faites par les membres du Conseil, lesquelles corrections interpellent le ministre de la décentralisation et du développement local. C'est un outil, les discussions l'ont montré, qui n'est pas voué à faire des comparaisons entre les collectivités, même si quelques-unes peuvent être faites. Mais c'est simplement pour considérer qu'il y a un niveau de développement optimal que chaque collectivité doit atteindre et de regarder quels sont les efforts qu'il y a à faire pour que ce niveau de développement soit atteint et quels sont les secteurs sur lesquels le plus d'efforts doivent être portés. Je crois qu'il faut également considérer que c'est un outil dont le développement nécessite quelques efforts encore. Nous avons travaillé sur un échantillon d'une quarantaine de communes. Nous voulons étendre ce travail à l'ensemble des collectivités, les 360 communes, les 14 communautés urbaines, pour que la robustesse de l'index soit avérée. L'enjeu en outre est d'améliorer la qualité de la péréquation au Cameroun. Il est question également à travers cette stratégie de permettre aux partenaires financiers d'identifier les secteurs qui sont le plus dans le besoin, tant au plan géographique que sectoriel. C'est enfin un outil qui va permettre, dans le cadre de l'implémentation d'un projet que nous avons avec la Banque mondiale, le Prologue, quels sont les éléments dont on peut faire usage pour apprécier les performances des collectivités afin qu'elles bénéficient de plus de subventions. Donc au final, c'est un jour heureux pour la décentralisation parce que désormais, nous avons un outil supplémentaire qui peut nous permettre d'améliorer les éléments de planification et de travail dans nos collectivités. Ce Conseil de la décentralisation se tient quelques jours après la tenue à Yaoundé du tout premier forum portant sur l'enregistrement universel des naissances qui a réuni les 360 maires du Cameroun. Le ministre de la Santé publique poursuit des concertations avec les responsables des ordres professionnels de la santé. Entamé hier 6 mai à Yaoundé, Manaouda Malachi a reçu les ordres des médecins et des opticiens du Cameroun. Les échanges ont entre autres abouti à la levée de suspension du directeur de l'hôpital de district de Messamena, c'est dans la région de l'Est. Inès Pangan et Thierry Onde. La suspension du directeur de l'hôpital du district de Messamena est levée par le ministre de la Santé publique. La sanction pour manquement à l'éthique et à la déontologie professionnelle est annulée après une concertation entre l'Ordre national des médecins du Cameroun et le ministre de la Santé publique. Je suis satisfait pour mon jeune confrère qui avait été suspendu, vous l'avez suivi, et qui s'est rétabli dans ses droits. Et il m'a été promis que très rapidement, il retrouvera du travail parce qu'un médecin en chômage est une perte pour la nation. D'ailleurs, la plateforme de dialogue entre les deux institutions est désormais réactivée.
Créée en 2019, elle sert de cadre d'échange sur des problématiques spécifiques impliquant les deux parties. Au regard de l'importance de cette plateforme, des questions beaucoup plus spécifiques vont être adressées à ce niveau-là et des solutions aux préoccupations, aux problèmes qui vont se poser et tout le reste. Ces solutions vont être portées à l'attention du chef du gouvernement, le Premier ministre. Bien avant, le ministre de la Santé publique a reçu les responsables de l'Ordre national des opticiens du Cameroun. Dans les discussions, il est question entre autres de la démarcation qui doit être claire entre les compétences des opticiens et des ophtalmologues. Je profite donc de cette tribune pour interpeller les populations lorsqu'ils ont mal aux yeux de se rapprocher d'abord des hôpitaux ou bien des ophtalmologues pour un bilan visuel avant d'aller ensuite chez les opticiens. De la délimitation des périmètres au cadre juridique qui encadre la profession, l'implémentation de la phase 1 de la couverture santé universelle. Et puis, on a évoqué quelques difficultés pratiques de fonctionnement de l'ordre. Renforcement de la collaboration, actualisation du cadre réglementaire, assainissement de la carte sanitaire, formation et coûts de prestations en lien avec la mise en œuvre de la phase 1 de la couverture santé universelle sont quelques points abordés au cours des concertations entre les ordres professionnels de la santé et le ministre de la Santé publique. Les rencontres ont débuté ce 6 mai 2024 à Yaoundé. As mentioned in our headlines, a multi-stakeholder platform for feed and fodder has been implemented in Cameroon as part of the project for a resilient animal and feed system in Africa. As a result, a training session was opened in Yaoundé yesterday, May 6, and has ended today with the main resolution to combat the shortage of feed and fodder. This platform was led by the Ministry of Fisheries and Animal Industries alongside the close collaboration with the African Union's Inter-African Bureau for Animal Resources. Let's get more details from the just-ended session with David Miner, a development expert. This project is actually an emergency response project on fodder. If you look at Cameroon, for example, Cameroon has a very elaborate program on how they want to deal with the beef sector. They want to be able to process meat. They want to be able to bring up healthy animals. They want to be able to export meat and want to do a very good quality assurance on the meat products they have. Cameroon also has very good potential for dairy. So if you look at it, just like in many other African countries, there's a growing livestock sector, which is also powered by the growing consumption of food products that are coming from livestock, be it poultry, be it small stock, small ruminants, or large ruminants like cows and so on. And because of that, we now have to ask ourselves, do we have the feed and fodder resources to be able to support the growth of that livestock sector so that we can supply the food that we need for the Cameroon people, for the African people? So the importance of this project is to ensure that we have a vibrant feed and fodder sector and to check whatever must be done, including developing an industry-level multi-stakeholder platform that can champion the issues of feed and fodder from seed to the equipment, to the quality issues, to the volume of production, to the organization of the sector, to the supply chain, and to ensure that we have a vibrant sector that can be able to continually support a growing livestock sector for the sake of putting food on the table. If we do that, then of course we are going to have an Africa that we can be able to feed our people in all the countries where this project is happening. My work is to support the feed and fodder business development, that's my expertise, and to ensure that we have market-led solutions to the growth of an economic sector called the feed and fodder sector. From feed and fodder, we now talk about the global climate change and its crisis. And this has not been very favorable for the rainy season gadget vendors in the economic capital city, as they are complaining of the challenges faced in their businesses, as this has resulted to a slow in the sales of this gadget, as the rains which they expected to be pouring at this moment is yet to pour.
Let's get more details from the following report. The recent downpour here in the economic capital, Douala, seems to have no influence on the business of rain gadgets like umbrellas, as some traders still complain of slow business. I've been selling umbrellas for like 4 to 5 years, and actually umbrellas business for this year is a little bit challenging because we expected rain to begin like 2 months before. But here we are in June and rain is still yet to fall normally as we expect. So business is not as before, but we believe God that throughout this month, next month and the previous month to come, rain will fall abundantly. Actually this morning while leaving the house, I believe strongly that throughout the day it would rain, but unfortunately, or fortunately, the rain stopped and business has been good. What is certain is that when it rains, we make the business, but when the rain does not fall, people are very reluctant to buy. Actually, we have two categories of umbrellas. We have the big ones and the small one. The small ones are particularly for women, the ones they can easily put in their bag for easy transportation. And we have the bigger ones, the ones for men, with also considering the height. And the prices for the umbrella varies as from 1,000 up to a certain amount. Normally, l'année passée, à l'heure, s'il avait beaucoup plu. By this time last year, it would have rained so much, but now there's no rain up till now. Almost mid-June, no rain. We are trying our best. I started a business with over 600,000, but I don't have 400,000 word of goods. The slow nature of activities is also felt by businessmen and women involved in the sales of rain jackets and gum boots. Par rapport à la saison de pluie, les activités sont lentes. Les activités sont vraiment business activities are moving at a slow pace, especially this year. You can see the road is very calm. Business is moving slowly. Franchement, tout est calme en fait. Vous voyez vous-même la route, elle est sèche et tout. With the rainy season still announcing itself, they believe things might just change for the better in the upcoming weeks. L'ONG Un Monde Avenir organise ce 7 mai 2024 la 6e édition du Forum national pour la liberté de la presse et l'accès à l'information. Thème central, protéger la liberté de la presse et favoriser l'accès à l'information dans la perspective des prochaines élections. Léla Rengans. Conteste à moins de 2 ans de la tenue des prochains scrutins électoraux et quelques jours seulement après le 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse, l'ONG Un Monde à Venir organise le 6e forum national sur la liberté de la presse. Dans un environnement qui est de plus en plus délicat, rendu délicat du fait de notre entrée désormais en année électorale, sachant que c'est une période essentiellement délicate parce que c'est une période où le citoyen a besoin d'avoir l'information, a besoin d'avoir la bonne information. C'est une période où les hommes politiques ont besoin d'espace de liberté pour s'exprimer, exprimer et surtout vendre leurs offres politiques. Et donc le journaliste se trouve au cœur de cette période. Et malheureusement, souvent, c'est aussi à ce moment-là que les journalistes sont le plus en difficulté, comme d'autres acteurs qui travaillent sur la démocratie. C'est pour ça que ce forum a une particularité, parce qu'il se déroule en cette période si difficile, où les violences préélectorales sont de plus en plus visibles à travers des menaces de tout ordre qu'on voit partout, qui apparaissent via des messages gouvernementaux et autres. Et donc nous craignons, nous, en tant qu'acteurs de démocratie, que si la protection des médias n'est pas effective, qu'on connaisse encore des situations difficiles pour la presse et donc des situations difficiles pour notre démocratie. Qui dit année préélectorale dit grands enjeux dans un pays où des scandales tribaux ont parfois été décriés. Éthique, déontologie, responsabilité, le journaliste camerounais aura fort à faire en 2025 pour éclairer l'opinion. Rien va dépendre davantage de la capacité des journalistes de collecter la bonne information, de la mettre à la disposition du citoyen pour qu'il ne se prononce pas en fonction de la proximité tribale ou autre, mais plutôt en fonction de la qualité de l'offre politique
qui a été mise à sa disposition par la presse, qui a su bien relayer la bonne information collectée auprès des acteurs. Voilà le message que nous voulons passer. Protéger la liberté de la presse et favoriser l'accès à l'information dans la perspective des prochaines élections, ce forum, à côté des exposés et discussions, a également permis le partage d'expériences entre journalistes et sociétés civiles, avec entre autres la participation du Syndicat national des journalistes du Cameroun. Le centre multifonctionnel de Bépanda a ouvert ses portes ce 6 mai 2024 aux jeunes nécessiteux désireux de se former et trouver une place dans la société. Sous la supervision du ministère des Affaires sociales, ce centre offre aux pensionnaires des programmes de formation modernes et variés avec des outils d'approche pédagogique adaptés dans divers secteurs d'activité. Christian Womé. Ce lundi 6 mai 2024 était jour de rentrée au centre multifonctionnel de Bépanda à Douala. Administrateurs, encadreurs et la soixantaine d'apprenants déjà inscrits se sont retrouvés pour le top départ de la première session de formation des jeunes nécessités et ceux en situation de vulnérabilité de la ville sollicitant divers programmes. Alors, nous avons des sessions de formation en arts plastiques, coiffure esthétique, couture, informatique, agriculture hors sol, braille et langage des signes. Durant les trois prochains mois, le CMB, dans ses missions menées en faveur des personnes vulnérables, pour les équiper à mieux affronter les challenges de la vie et leur donner toutes les chances de se bâtir un avenir, a innové avec des objectifs clairs. Nous formons pour être capables d'être employés et être autonomes. C'est-à-dire que l'apprenant, à l'issue de cette formation, devra être capable de s'auto-employer, mener une activité génératrice de revenus en toute autonomie. Si nous prenons la fabrication des mèches, nous donnons les outils techniques pour pouvoir fabriquer les mèches, mais nous donnons aussi les outils d'intégration qui permettent de pouvoir calculer ses fonds, pour pouvoir évaluer à quel endroit il est plus intéressant de se positionner pour pouvoir savoir où trouver ses clients pour mener ses activités, sans oublier d'être en conformité avec la réglementation. Une seule main ne peut pas attacher un fagot de bois, comme le dit un dicton africain, d'où l'accompagnement des ONG. Et il faut préciser que dans le cadre de la formation professionnelle, Global Health System Solutions doit former 162 personnes. Ça, ce n'est pas la seule institution que nous avons sollicitée. Elles sont à Bonaberry, nous en avons, et à Bonaléa notamment, puisque Global Health System Solutions amène ses activités jusqu'à dans le Mungo, à Bonaléa et à Souza. Le centre multifonctionnel de Bépanda est un établissement mis en place par le ministère des Affaires sociales et la communauté urbaine de Douala en faveur des personnes socialement vulnérables. Et cette session de formation est la deuxième après celle intervenue depuis sa réouverture. Limited medical resources in Africa has forced several patients to travel abroad for specialized surgeries. However, in Ghana, a new special surgery institute has opened its doors to help this situation. More details of the story with our international partners, The Voice of America. In Accra, medical experts from the U.S. are performing a special cancer removal surgery for a kidney patient. The procedure is minimally invasive and uses cameras and robots, and until recently, was unavailable in this part of the world. That one could have been done here. They already referred the guy outside, so he already had his visa and everything, and then someone told him about this place. This place is the West African Institute for Special Surgery, or WISE. It opened in March to cater to specialty surgery needs in West Africa and beyond. Plastic surgery, for example, there is just general plastic surgery, trying to get wounds and broken bones to heal. But at the level that we are providing care, we do micro transplant of tissues. You lose a finger, we put it back, make an ear, make a nose, make a face. Dr. Kofi Buahene, a native of Ghana, is a head and neck surgeon, facial plastic and reconstructive surgeon at Johns Hopkins Hospital in the US. In 2004,
he set up his Foundation for Special Surgery, or FSS, to provide specialized medical care to people where they live. People from all over the world will come and see me in the US. I'm able to, 2 hours, change their lives. I take a plane, it takes 9 hours, 10 hours to fly to Ghana. Same situation, clinical situation, that person may lose their eyesight or may lose their life. For this reason, Dr. Boahene and the FSS built the West African Institute for Special Surgery. He says the center will bring globally trained health professionals to Ghana. In neurosurgery, in plastic surgery, in head and neck surgery, in ear surgery, in urology, the highest level of specialists are all congregating here. Medical professionals from Ghana and across Africa can train and practice with these global experts and equipment. Here I get to see robotic surgery. Yes, it's going to be the first in the country. So I get to see that. And that's awesome. That's pretty cool, you know, using robots to, you know, fix things. So yeah. Dr. Boahene says the institute will bill patients who ordinarily would have traveled overseas. However, for patients who cannot afford care, the institute will raise money from friends, family, donors, and former patients abroad, just as they have done for his Foundation for Special Surgery. Sena Nutot, VOA News, Accra, Ghana. Nomination de Marc Brice à la tête de la sélection camerounaise de football masculine A. Le dossier est loin d'être clos, alors que la prochaine rencontre des Lions Indomptables dans le cadre des éliminatoires Coupe du Monde approche à grands pas. La FECA Foot, le MINSEP et la FIFA surfent entre courriers et autres communiqués. Justement, dans un courrier rendu public ce 6 mai, l'instance fêtière du football international s'est prononcée. Sur la question, Dipita Tongo s'est entretenu ce jour avec le professeur Cyril Tolu Batoum. Il est secrétaire technique numéro 2 au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Je vous propose de l'écouter, il est en posture d'invité dans ce journal. Oui. Professeur Cyril Tolu Batoum, bonjour. Bonjour, bonjour monsieur Dipita Tongo. Merci de nous accorder la première réaction, la vôtre d'abord en tant que haut cadre ministère des Sports, proche collaborateur du ministre des Sports. En tant que conseiller technique numéro 2, mais aussi un expert des questions, notamment des relations entre le ministère des Sports et de la FECAFOOT, mais au-delà du sport en général. Nous souhaitons voir votre réaction à la suite d'abord du courrier de la FECAFOOT adressé à la FIFA, la réponse de la FIFA et puis du communiqué de la FECAFOOT qui réagit à cette réponse relativement à la nomination du staff technique, mais également du staff administratif au sein des Lions Indomptables de football. Alors, j'aimerais d'abord vous faire... Allô ? Oui, je vous suis. Hein. Oui, j'aimerais vous dire que je n'ai pas pris connaissance de la lettre de la FECAFOOT envoyée à la FIFA, okay. Mais c'est la FIFA qui nous en donne quelques détails. D'abord, la date. C'est une lettre qui a été envoyée le 6 avril 2024. Et vous vous souvenez que le même 6 avril 2024, le comité exécutif de la FECAFOOT s'était réuni et avait donné 72 heures au président de la FECAFOOT pour leur faire des propositions en vue de la nomination d'un staff technique alternatif à celui qui a été nommé par le gouvernement. Exact. En plus de cela, la FIFA nous dit qu'elle est d'avis avec des propositions de la FECAFOOT concernant le recrutement des membres de l'encadrement technique qui doivent rester les prérogatives réservées uniquement au comité exécutif de la dite fédération. Donc, ça veut dire que dans sa correspondance, la FECAFOOT a dit à la FIFA que c'est elle qui avait le monopole de la nomination, n'est-ce pas, de l'encadrement technique. D'autre part, j'observe que nulle part la FIFA n'évoque le décret de 2014 sur lequel la FECAFOOT s'est toujours appuyée pour s'arroger le droit
n'est-ce pas, de la gestion de l'équipe nationale au détriment de la convention. En effet. Donc, j'observe que le seul élément juridique évoqué par la FIFA pour ce qui concerne les relations entre le ministère des Sports et la Fédération Camerounaise de Football est la convention de 2015. Eh bien, comme vous le savez, que la Fédération Camerounaise de Football n'a jamais voulu prendre en considération. Mmh. En tout état de cause, quelle est la lecture que nous en faisons? Alors, sur le plan du droit positif, il faut dire que le droit actuellement en vigueur a été respecté. N'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la lex lata. Mmh. Ces droits, en l'état actuel, a donc été scrupuleusement respecté par l'État. Mais, si vous lisez la lettre de la FIFA, elle donne une ouverture pour le futur, pour une possible révision consensuelle de la Convention, dans le sens de ce qui serait souhaitable par la Fédération. C'est ce qu'on appelle en droit la lege ferenda. Cette correspondance prouve donc qu'il n'y a pas eu ingérence ou faute de l'État dans le processus du recrutement du staff actuel par le ministre des Sports. Autrement dit, le débat est considéré comme clos. La loi n'étant pas rétroactive, elle n'est pas, la convention n'est pas encore révisée. Et la FIFA rappelle deux choses. Elle rappelle l'article 9 qui mentionne les hypothèses de nomination de l'encadrement technique. Mmh. Et c'est sur cet article que le ministre des Sports s'est appuyé, parce que cet article lui donne également la possibilité de recruter l'encadrement technique et de mettre à la disposition de la fédération. Mais, lisez bien la correspondance de la FIFA, elle rappelle aussi l'article 15 de la convention. L'article 15 de la convention dit que, en cas de litige, les parties soulignent l'impérieuse nécessité de privilégier une gestion pérenne et concertée du football dans le respect de l'esprit de dialogue, de la solidarité et du patriotisme. Donc la FIFA nous interpelle pour que nous ayons des réactions responsables et que nous fassions appel à notre patriotisme. Et ce patriotisme aujourd'hui, au niveau du ministère, nous l'attendons beaucoup plus de la part de la fédération, parce que le gouvernement n'est jamais allé vers la FIFA. C'est la fédération qui est allée vers la FIFA, probablement pour solliciter une sanction contre l'État, mais cette sanction n'a pas eu lieu puisque la FIFA n'a évoqué ni ingérence, ni quelque sanction que ce soit. Voilà la lecture, la première lecture que nous pouvons faire de cette correspondance de la FIFA. Professeur Cyril Tolobato, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie, à très bientôt. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Christelle Assek. Bonne soirée à toi, Orian Duncan. Good night, televiewers. See you again tomorrow with more news and fresh news on Spectrum Television. Good night.